Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mathis, j'ai 20 ans. Je joue au Plessis Robinson. On a une équipe qui évolue en R1 et une équipe réserve qui évolue en D1. Je me suis blessé en match de championnat, c'était en décembre. La balle elle est arrivée en face de moi. Il y avait un mec qui me collait, j'étais dos. J'ai essayé de m'orienter avec le ballon et en fait ma jambe elle est restée bloquée dans le sol. Et c'est là que j'ai entendu un gros crack en fait. J'avais jamais entendu ce bruit auparavant. Du coup, je me suis mis immédiatement au sol. Puis j'ai pas vu ma jambe directement, donc c'est-à-dire je pensais qu'elle était tordue en huit. Finalement, c'est qu'une semaine plus tard, quand j'ai fait l'IRM, du coup que j'ai appris que j'avais les ligaments croisés plus une petite fissure au ménisque. Okay. L'opération, elle aura lieu le 9 février. Du coup, vous allez pouvoir suivre mon parcours, du coup, avant l'opération, puis après, tout ce qui est rééducation, réathlétisation, et puis jusqu'au jour où je vais pouvoir remettre les pieds sur le terrain. C'est ce qu'on attend tous. Vous allez pouvoir me suivre sur ma dernière séance de kiné avant l'opération et c'est parti. Tu vas me tuer juste pour la vidéo. C'est bon pour lui. Vas-y, c'est de plier. Ok, pas de problème. Moi, je fais fort. Ah ouais? Ouais. Ouais, non, il fait un pont. Il a un peu de lâche. On va faire un dernier.